Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Auto, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7. Que le monde nous envie, enfin, si le monde ne l'envie pas, eh bien, il manque vraiment quelque chose. Aujourd'hui, on replonge. Eh bien, on, comme toutes les semaines, j'ai envie de dire, hein, dans le bouillon des élections municipales, puisque de multiples candidatures se font jour. Il y a quelques candidatures qui sont enregistrées depuis quelque temps. Et euh, ben, nous allons nous intéresser aujourd'hui au candidat du Rassemblement national, Monsieur Bruno Paluto. Bonsoir, Bruno Paluto. Bonsoir. Alors, je vous fais un petit CV rapide, Bruno Paluto. Vous êtes aujourd'hui, pour quelques mois, encore quelques semaines, élu d'opposition à beigle. Euh, vous allez nous expliquer d'ailleurs ben, pourquoi euh, vous êtes aujourd'hui candidat sur Bordeaux. Vous êtes élu à la région. Vous êtes un militant du Rassemblement national, mais qui a fait ses armes auparavant euh, bah, dans la droite classique, on va dire. Ce sera l'occasion d'évoquer bah, justement bah, le, le, le devenir un petit peu de ce, de ce côté de l'échiquier politique. On va évoquer toutes ces questions et bien évidemment le sens de votre candidature à Bordeaux, de même que les propositions que vous souhaitez soumettre aux Bordelais et aux Bordelais. Alors euh, première question, Bruno Paluto quelles sont vos ambitions sur cette élection municipale Je rappelle juste un chiffre aux élections européennes. Le Rassemblement national avait coiffé d'une courte tête les républicains. Tout à fait, nous avions fait 9,40 et les républicains avaient fait 9,02. C'était l'hirondelle qui avait fait le printemps bleu-marine. Là, nous allons créer la surprise. Nous serons les outsiders aux couleurs de la France et j'espère que nous dépasserons les 10%. Pour nous maintenir au second tour, car on suppose qu'il y aura un second tour. Oui. Lors de cette élection municipale, Bordeaux n'avait plus connu aux élections municipales de second tour depuis un très grand nombre d'années. Là, je pense qu'il y aura un second tour et nous serons présents, nous représenterons cette, euh, cette, ouais. ce, les patriotes, les souverainistes et les nationaux dans ce second tour, justement. Nous sommes l'alternative. Alors, à, je, alors au macronisme et au socialisme. Alors expliquez-nous, Bruno Paluto, comment euh, vous situez, euh, alors on parle de recomposition de la droite, on sait qu'il y a un noyau de républicains, il y, y a des passerelles qui sont en train de se créer avec le Rassemblement national, vous situez comment, vous, euh, le sens de votre candidature, c'est euh, faire un appel du pied à tous les candidats... Euh, alors, à nous à nous tous les électeurs alors, ma candidature, je, ma candidature représente est une candidature de rassemblement, puisque bien sûr, donc, nous défendons les couleurs, l'étendard les du Rassemblement national, mais nous, défendons, nous représentons aussi la, les patriotes, les souverainistes et les nationaux. Bien au-delà du Rassemblement national, nous rassemblons toutes les personnes qui veulent... Rejoindre notre candidature, bien sûr. Euh, nous avons euh, au niveau national des personnes venant de la France insoumise qui nous ont rejoint C'est ça, c'est une liste ouverte Mais que vous avez proposée. C'est une liste. C'est une liste, justement. Je, nous lançons un appel aux électeurs orphelins de Nicolas Sarkozy, car et de François Fillon, car nous sommes soutenus par la droite populaire. Notre, cette liste, notre liste, est soutenue officiellement par Thierry Mariani en conférence de presse il y a trois semaines à Paris. Et Jean-Paul Garot, le local de l'État, oui, qui, qui a été député, député du Libournais, nous ont, officiel, ont officiellement soutenu ma liste à Bordeaux de rassemblement des patriotes, des nationaux et des souverainistes, qui représentent la seule alternative politique face aux mondialistes, aux européistes. Qu'ils soient de gauche, représentés par M. Feltès ou M. Urmic, ou qu'ils soient ultralibéraux, représentés par M. Florian ou M. Cazenave. Voilà, nous sommes la seule alternative politique sérieuse qui représente au niveau local, comme au niveau régional, comme au niveau national, les Alors... nationaux, les souverainistes, les patriotes. Nous sommes soutenus. Je par la droite populaire Alors, et nous appelons, je lance un appel vibrant à tous les électeurs à la fois de François Fillon, de Nicolas Sarkozy oui, on a à bien nous rejoindre. Votre, votre appel du pied. Alors justement il y a une question qui se pose systématiquement au cours des scrutins municipaux. Est-ce que les listes de l'ancien Front National aujourd'hui Rassemblement National soutenues par la droite populaire, vous le disiez ne sont pas simplement des candidatures, des témoignages on a parfois l'impression que c'est la déclinaison des thèmes nationaux qu'on porte sur l'échiquier. Est-ce que ça c'est votre cas, Bruno ah, pas du tout, pas du tout. Nous avons des propositions, bien sûr, nation, programme national qui sera présenté au mois de janvier, mais nous avons des propositions locales très précises sur un certain nombre de sujets, ah bah. sur la sécurité, Alors on va les sur aborder. le cadre de vie, sur la fiscalité et sur le la... eh ben bah vous me la le logement. Alors on va, euh, bah, voilà, je, je rebondis puisque nous avons tenu hier soir sur ce même plateau un débat. Avec quatre candidats autour du logement, précisément Bruno Palutti. Vous le logement. On sait aujourd'hui que c'est un problème à Bordeaux. Accessibilité de la ville compliquée, l'immobilier cher, marché locatif euh, bah, un peu asséché par Airbnb. Vous faites quoi si vous alors êtes maire avons, de Bordeaux Alors tout d'abord, nous sommes contre, contre l'habitation indigne. Nous voulons assurer une rénovation au niveau des, des quartiers de Bordeaux, des habitats de Bordeaux qui sont dans une situation délétère. Nous serions d'ailleurs favorables à un permis de louer pour permettre justement une rénovation et que les personnes, les Bordelaises et les Bordelais vivent dans des conditions les meilleures au niveau de leur habitat. Permis de louer pour les propriétaires Tout à euh... fait. Nous sommes contre l'habitation indigne. Nous sommes favorables à une grande rénovation. Une rénovation notamment plus proche de l'identité un petit peu locale, de l'identité française euh, des sociétés. Ça, de ça veut dire quoi, ça, Bruno Paluto et... Ça veut dire que vous louez... Euh... Bah, pas des Français, du, pas du des tout, Blancs, pas et du et tout. Pas aux pas gens du de tout non, 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 je disais, voyez, je, je disais la rénovation au niveau de, de l'immobilier, faire une rénovation qui se rapproche un petit peu de l'identité architecturale. Voilà, pour être précis. Dans un deuxième temps, nous, très, nous contrôlerons le PLU, le plan de Local logement et d'urbanisme, pour que chaque nouvel habitat, chaque nouvel appartement, maison construite à Bordeaux, ait une place de parking. C'est important. Ensuite, nous voulons assurer une démétropolisation de la ville. Alors, on s'aperçoit – vous l'aviez exprimé tout à l'heure – que Bordeaux est engorgé actuellement et saturé au niveau de la circulation automobile. On circule très mal à Bordeaux du fait, bien sûr, de, des travaux, mais du fait aussi d'un trop grand nombre de véhicules automobiles. Bordeaux, la métropole, il y a trop de monde, il y a trop de, trop de voitures, il y, pas, pas, y, y a trop de voitures pour stationner. Parce que nous voulons, nous, non pas vider la ville de ses habitants, voilà, mais ça, essayer question, justement hein. de faire en sorte que les campagnes, les zones rurales, des invisibles, des oubliés se repeuplent, qu'elles soient revitalisées, qu'elles connaissent de, nou de nouveau du... du, du du plein emploi, de l'emploi qui soit créé, des services publics, des services médicaux. Nous voulons revitaliser les campagnes et nous voulons, dé nous voulons démétropoliser les villes, faire en sorte que ces métropoles qui sont énormes, écrasantes, dans lesquelles règne une pression fiscale excessive, en fait, dans lesquelles ou... règne aussi un coût de l'immobilier très important, parce qu'il y a trop d'habitants. Moins d'habitants dans la métropole, on essayer de repeupler les, les campagnes. Comment on fait justement dit Et y a bien, y a trop d'habitants ben On, les, on nous, leur dit vous dehors Non, vous, on veut, euh... non il faut créer ils nous voulons revitaliser les, les, les zones rurales, les, les centres-bourgs. Nous voulons recréer dans des territoires périphériques. C'est sous le problème des gilets jaunes, hein. les gilets jaunes justement qui souffraient, qui étaient en grand nombre à Bordeaux. C'était une, une des raisons pour lesquelles il y avait tant de, de gilets jaunes sur Bordeaux, dans la mesure où les campagnes périphériques sont abandonnées, sont oubliées. Donc nous voulons les réenrichir, reconstituer de l'emploi dans ces zones rurales. Le — de de Le maire de Bordeaux, décolle. vous le serez. Il n'a pas tout ce pouvoir-là. Comment vous faites derrière C'est-à-dire vous pactisez bien avec sûr. différentes communes ?— Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr C'est une démétropolisation qui doit se faire de concert, bien sûr, avec... Le gouvernement, avec l'État, dans une stratégie et nationale. Vous ne serez pas tout Mais à fait aussi... d'accord avec le gouvernement. qui… – Mais nous l'espérons. Nous, nous bout... sommes dans une séquence politique où nous avons viré en tête aux élections européennes et nous espérons faire d'excellents résultats aux élections municipales, de très bons résultats aux élections régionales et départementales et gagner la mer des batailles en, 2020, en 2022 la présidentielle et les élections législatives Ça, derrière Marine Le Pen, qui est une authentique femme d'État et qui nous permettra donc d'avoir une gouvernance sur un plan national qui sera en adéquation avec le régional, le local, où nous nantirons les campagnes de ces richesses de services publics, de services médicaux, d'écoles, ce qui permettra de diminuer le nombre d'habitants au niveau des villes. La métropole bordelaise, Bordeaux, c'est 257 000 habitants. La métropole mmh. bordelaise, c'est 550 000 habitants. C'est démesuré d'envisager une ville à 300 000 habitants. Il y aura une augmentation automatiquement du oui, coût de, de l'immobilier, de, de la pression 15 ans, fiscale. 20 ans, de toute façon, les gens viennent à Bordeaux parce que la ville est mante, la ville est attractive aujourd'hui. Vous, oui. vous dites, ben, on met un, un non, on non, appuie ça sur le frein. Non, ça permettra. Non, ça permettra. On pourra venir sur Bordeaux, mais ça permettra de mieux vivre à Bordeaux. Nous sommes favorables justement à une civilisation écologique. Alors, mais parce que c'est un sujet. Sur les, les circuits courts dont nous parlions tout à l'heure. Alors, expliquez-moi ce concept Alors, du localisme. Ça absolument. Procède de nous ça. sommes nous très euh, liés au localisme. Qu'est-ce que le localisme C'est ce que nous appelons la civilisation écologique, c'est-à-dire basée sur les circuits courts. Ça veut dire que le, nous fabriquons des produits que nous consommons à proximité. — Voilà. Cela évite évidemment, c'est très écologique, pas écologiste, mais cela évite oui, automatiquement c est, c est, un nombre de des, euh, dépenses. De des gauche. dépenses superfétatoires de kérosène, l'utilisation d'avions mm -hmm. ou l'utilisation de, enfin, de, de de grands transporteurs okay. euh, de, de supertankers, de, 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 de grands cargos qui polluent énormément, beaucoup plus que les Ce automobiles. Ceux qui pollue aussi sont les camions. Hein. Oui, — La, la plupart en fait, des transports de marchandises sur les la métropole se font en camion. — Se font en camion. Font en camion. Mais enfin, nous, nous avons aussi là, justement cette civilisation écologique sur un plan local et sur un plan national éviterait euh, l'usage des avions, les transports aériens ou les transports euh, maritimes qui sont très polluants. Donc fabriquons, nous fabriquons des produits que nous consommerons à proximité. Et nous voulons transformer grâce à ce localisme... La, la ville et les quartiers de la ville en village voilà nous voulons que ces villages comme il en existe certains mais sur Bordeaux c'est quoi c'est des mairies comme... de quartier parce qu'aujourd'hui il y a des mairies de quartier la, non la ville mais est de, 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 de des, des mairies, ça sera plus étendu ça sera plus ça sera ça sera euh, ça, ça, ça sera plus euh, le, ça sera plus important à savoir que, par exemple, rive droite, nous ferons donc un village de la rive droite, le quartier des Chartrons, mmh. Ça sera transformé en, en village où il fera bon vivre, où il, où il y aura une identité locale, une identité française qui rappellera notre France éternelle nous défendons. – Alors, vous me tendez la perche, Bruno Paluto. Bordeaux, c'est aussi une terre de mélange, c'est une terre d'immigration au fil des générations, ce genre de choses. C'est aussi dans l'ADN de cette ville que l'ouverture au monde. Nous sommes un port. – Tout à fait. – Vous vous inscrivez dans cette histoire ou quand on vous entend, on a l'impression que, voilà, c'est plus l'identité française qui… – Oui, nous sommes bien sûr un port, mais nous sommes très vigilants, justement, à réguler l'immigration migration à bordeaux. Car nous ça, avons... ce n'est pas le ressort du maire. Si, tout à fait. Et comment si, vous faites si, par trois, trois éléments très importants, le maire ou les services du maire dans une grande ville donne leur avis sur, sur, le, sur la carte de résident, sur l'attestation d'accueil ou sur le regroupement familial. C'est très important que les téléspectateurs, nos auditeurs le sachent. En effet, beaucoup de personnes me disent qu que le, avis, euh, la régulation euh, de l'immigration tient aussi. uniquement de, du gouvernement, est entre les mains du gouvernement. Ou ce du sera non systématique. Pas, ou... du tout, pas du tout. Nous étudierons les avis dans la mesure où actuellement, s'il y a un maire ou une mairie ou ses services ne donnent, ne donnent pas pour l'attestation d'accueil, pour le regroupement familial ou pour la carte de résident un avis. À ce moment-là, c'est un avis positif qui est donné, qui ne dit mot, consent. De ce fait, un grand nombre de maires ne donnent aucun avis sur ces trois certificats. Mmh. Et, ce... Et automatiquement, cela ne permet mmh. pas de réguler l'immigration. Oui, le maire peut réguler, a des pouvoirs de régulation sur l'immigration. Surtout qu'à Bordeaux, nous avons un problème actuellement. Nous avons de très nombreux mineurs non accompagnés. Nous avons eu le problème aussi de... qui sillonne la ville. Nous avons eu le problème, donc, à Bordeaux-Lac, de ce camp de migrants qui vivaient dans des conditions inhumaines. Un manque d'hygiène. Vous faites des conditions quoi pour difficiles. ça Vous êtes maire de Bordeaux. Vous les logez, on l'a vu cet été. Euh, vous voulez leur donner un ainsi logement que, décent. On ainsi sait que, que c'est ainsi, ainsi, Monsieur Sauta, que les squats. Nous avons eu une pléthore de squats, ceux qui n'existaient pas avant à Bordeaux, dans le plus emblématique rue Laforie de Montbadon, euh, qui était ce squat à proximité dans l'hôtel Balzac, oui, oui. qui est justement où les squatters terrorisaient les riverains. c'était c'était en association. Ce que nous voulons, nous, ce que nous appliquons, la loi à savoir que les, pers les, les, les personnes en, en situation clandestine doivent être expulsées. Voilà. Les immigrés en, en situation clandestine doivent être expulsés, les squats doivent être démantelés et les camps de migrants doivent être aussi démantelés. Voilà. Alors là, on est sur des, des registres nationaux, il nous reste très peu de temps, vous voyez, on parle beaucoup et on, on évoque beaucoup de choses. C cette immigration, justement, a une relation avec la sécurité. Bordeaux est devenu très insécuritaire. Les Bordelaises et les Bordelais en ont assez de ce Alors vous, plus maire de Bordeaux. Vous musclez la police municipale, Alors, plus oui. d'effectifs, vous l'armez, vous mettez des caméras, vous faites Alors quoi tout à fait. Alors d -d dans un premier temps, la police municipale. Il faut que les missions de la police municipale soient plus euh, soient centrées sur des euh, des missions plus proches de la sécurité des personnes et des biens, en synergie, de jour comme de nuit, avec la police nationale. Au niveau des caméras, absolument, nous allons donc disposer donc, des caméras de vidéoprotection partout dans la ville et non pas qu'à certains endroits, notamment à la gare, où l'essentiel des caméras pour l'instant est installé. Nous voudrions aussi installer euh, un certain nombre de d'éclairages, puisqu'on s'est aperçu que des, des rues où il n'y a pas d'éclairage, où il n'y a pas de circulation, sont particulièrement insécuritaires, mmh. des rues piétonnes sans éclairage. On a remarqué qu'il y avait une dualité insécuritaire entre Bordeaux le jour et, et Bordeaux, Bordeaux la nuit, nuit et dans oui. certains endroits. Oui. Donc, comme cela a été installé à Hénin-Beaumont, une, oui, euh, une mairie gérée par le, le, le Rassemblement national, il y a justement des, des luminaires avec des systèmes d'ampoules LED qui sont aussi peu consommatrices <laughs> d'énergie. Joignons l'utile à l'agréable qui permettent de, qui permettent justement de, de s'allumer oui, lorsqu'un piéton ou une voiture passe. On a compris vos propositions, Buno Paluto. Écoutez, on est au bout du temps qui nous est imparti. Mais comme à Sud-Ouest et TV7, nous sommes scrupuleux du respect du temps de parole des différents candidats dans cette élection municipale, nous vous réinviterons évidemment pour exposer ben, le reste de vos propositions, puisqu'on avait un certain nombre de sujets qu'on n'a pas pu aborder. Le stationnement, le logement, la fiscalité, vous l'avez abordé. Et notamment le référendum d'initiative citoyenne que vous proposez à Bordeaux. Tout à fait. On reviendra dessus, notamment pour la question du pont de pierre. Voilà. Mais là, on n'a plus le temps, mais on se se reverra pour un entretien autour des propositions du Rassemblement national et de la droite populaire. Donc merci, Bien Bruno sûr. Paluto, de vous être rendu disponible. Quant à nous, Merci eh bien, à vous. nous nous retrouverons eh bien, euh, bah, sur les réseaux, évidemment. Vous retrouvez cet entretien sur tv7.com et également sur sudouest.fr. Et puis toute cette actualité municipale, suivez-la sur nos différents supports Sud-Ouest et TV7. Merci à tous, passez une excellente semaine et d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci, au revoir. <music>